Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Yop. Le vlog. Par contre, moi, on m'a toujours dit, et j'ai toujours appris, quand je fais une intro des vlogs, c'est du facecam, Yann. C'est l'intro des vlogs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Alex? Ah bah, c'est à toi de me dire, moi. Alors là, on récupère un stand, si j'ai bien compris. Pour le Master Quiz, on a une petite nouveauté, c'est un stand mystère. Et en fait, là, apparemment, il est méga lourd, donc on a besoin de beaucoup de bras. Et bah, on attend. Ça va sinon vous passez un bon samedi? Ah, il est là. Je pas dehors. Allez, dans ta race, Andreas. Eh, faut lui donner un peu de taf, quand même. Tiens, il y a plein de petits objets, ouais. Petite barre, regarde. Ah oui, on s'est accordé les gars. Tu sais, c'est un peu des orties, ça pique un peu. Parce que ce soir, on a orties dans Master Quiz. Ouais, t'es sûr, ouais, t'es sûr. Il n'y a pas que orties, il y a plein de gens. Théodore, Raska, Magla, Dwag, Étoile, Zach et Coco. Ouais, je connais mal le son. Quel ouais. Banger. Et là, du coup, il y a le stand, venez voir. Ah. C'est moins lourd que la machine à points, si jamais. Ryan. Bon, ça va nickel, là. On est nu derrière. Bon, là, l'idée, c'est de le porter pour le mettre dessus. Ouais. Mais les escaliers c'est la merde. Donc pas bonne idée, on revient à l'arrière. Il faut savoir admettre quand on se rate les gars. Oh là là, vous allez vous péter le dos. Sinon ça va vous, moi j'ai... Franchement ça va. C'est vraiment le bon rôle, perso la cam est un peu lourde mais ça va. Franchement on s'en sort. Je vais boire de l'eau. Je les ai mis dans une galère. Ils me détestent. Ça va les gars? Yann il est devenu Yann, pas gentil. On est sur Manon. Je vais m'énerver contre ça. Mais ça énerve hein, quand on se souffre. Ce qui m'énerve c'est qu'il devait filmer et il se retrouve à aider ce film. Complètement à l'envers, tu sais. Quel enfer là, non. Là, mais dis donc Yann, c'est un nouveau visage que je vois là Yann. Moi je voulais juste faire du montage. On peut pas la jeter par dehors là. Yann il va se remettre en full TT maintenant. Elle passe par la fenêtre. Mais elle passe même pas la fenêtre, regarde, même la grande fenêtre elle passe pas. Bonjour caméra. Andreas, la con de ta mère, c'est con que tu reviens. Ça fait 4 jours qu'on débarrasse des trucs, t'es où Andreas? Eh sérieux Andreas, il casse les pieds là. Dans ta mère le floutage là, dans ta mère le floutage dehors. Vive le vive les. Ah tu dois bipper maintenant, qu'est-ce que tu veux? Agen, c'est une vide de merde. Chocolatine, fuck les chocolatines moi. Tu vas faire quoi de toute façon là, t'es derrière ton poste de merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te fais des doigts et au moment où tu regardes cette vidéo, je te ferai aussi des doigts dans la tête. Ça la floute. Ça reste en bas. Ça bouge plus, on l'a acheté. C'est acheté ça. C'est cool. Ça reste en bas. Stand Master Quiz, pas loué. Super. Maintenant faut le faire passer par le cul hein. Non mais c'est pas nous qui sommes bloqués, c'est ça. C'est le truc qui est bloqué. Tentative numéro 1, échoué. On en parle plus pendant 5 minutes. Voire même une heure quoi. Du coup les gars, malheureusement ça ne passe pas. Mes mains sont engourdies, elles sont rouges. On va essayer de voir avec un bon charge qui se met dans la rue et qui fait monter le truc sur la terrasse pour qu'ensuite on le fasse rentrer dans les studios. Mais j'y crois moyen. One hour later. Bon les gars, c'est l'heure. Yann, regardez comment il devient méchant avec le stand. Déjà sa tête elle se renferme et il avait dit on me revoit plus. Et c'est le premier. On le laisse là-bas. Ok, parce qu'il est dur à déplacer. Gaffe parce que quand il est méchant en plus il donne des ordres et tout. C'est pas le Yann qu'on connaît. Si, moi. Ouais, tu m'as pas vu énervé, je crois. Non, parce que t'es toujours dans ma team et du coup, on rigole bien. Non, mais là, il s'est placé au stand, il était comme ça, vraiment avec vénère. Des flammes et tout. Oh, mais voilà, exactement. Et ça, c'est le premier degré. Bon, Steph, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends des forces pour dimanche parce que tu joues à Roland Garros dans les 22 PA, c'est ça? Ma première victoire dimanche, je vous le dis, les gars. Si tu perds, je me perce l'oreille. C'est bon? Non, je te rase les cheveux. Non, c'est l'envers, titano! Un titano. Si je gagne dimanche, tu te perces l'oreille. Non, mais ça va, les gars, vous êtes des bâtards. Il a serré la main. Si, oh, il serait trop bien. Ça va trop bien de t'aller, gros. Steph, t'intéresse de gagner? J'avais pas trop de motivation pour gagner, là je suis à les couilles. Prenez à 3. Allez, viens, gauche. Steph, c'est le pire. Allez, 12 degrés gauche. C'est vraiment très lourd pour eux là. Et Yann est vraiment très renfermé. Très énervé. Il y a où Andréa, ce gros chien là? Tranquillou, on va y aller comme ça, les gars. Tranquillou, pilou. Pas rire dans ce vlog. Pardon. Ça déstabilise. C'était le timing, ça m'avait trop rire. Arrêtez-vous, je pilote. Attendez, je vais m'entraîner mes services pour dimanche, je peux finir ça. Ça se voit que je veux plus. Ah oui, vous êtes impressionné. T'as oublié le bruit. Ah, Stéphane. Je l'envoyais trop haut. Il doit paraître tellement léger, mais on va passer contre les guignols. De toute façon, les gars, ne vous inquiétez pas, je pense pas qu'on va se le faire voler. C'est clair. 2 hours later.
C'est la suite. Partie 7 du Mont Charles. C'est un TikTok en 8 parties ou quoi? Eh, dis donc, l'objectif est sacrément sale. Attends. Ah, ça va mieux là. Et on se retrouve. Tu peux filmer mon coup droit ou pas? Ah non, mais après, il va devoir tout flouter. Ça va être chiant pour Andréa si je fais un coup droit au milieu de la route. Hein. Ouais, on va pas le faire. Hein. Revers une main. Tu peux filmer Hugo délire s'il te plaît dans ma poche? C'est ça, ça va être un délire ce qu'il va mettre à Hugo. Vite, 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 faut courir. Vite. Prends devant Evan avec Lily, moi je prends le bac. Les gars, la mission était pas si dure de base. Y'a rien qui va, les gars. Attends. J'en peux plus, je veux juste faire du montage, moi. J'en peux plus. Est-ce qu'on va bouger cette merde là, j'en peux plus. Les gars, devinez qui est arrivé à l'instant. I'm coming home. Mais non, mais pas lui. Mais pas lui. Non, on en a marre de lui. Gros, pourquoi t'arrives comme ça après la guerre? T'as tout esquivé, gros. Mais moi j'en savais rien. T'en savais rien de quoi? T'as du sang sur les mains, Andreas. Ouais, c'est toi qui m'agresse. Pétez un plan. C'est à cause de lui tout ça. Ça sort d'où ce truc? De dessous. Tiens, Andreas, porte le truc. Ouais, Andreas. Dis juste, soulève pour voir un peu le poids là. Oh, c'est lourd un peu. On a essayé de passer avec ça dans les escaliers. Vous avez appelé le monde cherche en après quoi? Nickel. Ça intéresse bien. Arrêtez, je suis tout transpirant, j'ai chaud là. Tiens, c'est bon pour vous. Je te rends ta cam. Ouais. Hein? Mais moi j'allais faire du montage. Vas-y, oh, c'est tout transpirant, la cam elle est toute mouillée. Ce soir, on a pour le Master Quiz, on a une petite nouveauté, c'est un stand qui a été créé sur mesure par nos soins. Enfin, non, pas nous, mais. Du coup, en fait, l'idée. T'inquiète, ça va le faire. Tu cut au montage, mon chef. C'est trop marrant parce que du coup, maintenant, il est sur place quand on lui dit on peut lui dire, maigre. On lui parlait trop à travers la caméra avant. Bref, du coup, on a des petits bonus ou malus qui seront dans le stand à tirer à la corde, etc. Petit extrait tout de suite. 8 cordes. C'est exceptionnel. Ah, y en a qui ont des bonus, d'autres des malus. Félicitations, vous gagnez 4 points. Et 4 points d'un coup sans rien faire. Oui. Et donc, en gros, bah, ça y est, ils sont prêts, écrits. Et maintenant, bah, faut tout accrocher sur les cordes. On est parti. Bon, du coup, les gars, il y a Étoile et Doigt qui sont arrivés. Du coup, Étoile, il a ramené sa Switch. Du coup, on s'est fait un peu des smash. Je me suis fait torpiller, ouais. Première game, je me suis fait torpiller. Et là, il est en train de jouer contre Yann. Tu me bait à chaque fois, c'est ouais, bon. J'attends de savoir. C'est ciao. C'est fort, mec. C'est trop fort. Qui est malin, qui sait rester à sa place, qui sait jouer son rôle. Ça, je me reconnais aussi un peu en lui. Il est au-dessus. Check. J'ai gagné, c'est en vidéo, ça, il y aura que ça dans le jeu. Verdict. Étoile trop fort. Étoile trop fort, mais je l'ai pris une game. Et Yann aussi lui a pris une game, voilà, moi aussi, voilà, c'est tout. Allez, go. Oh, je vais lui montrer le plateau. Vas-y. C'est stylé ça, c'est quoi? C'est le stand mystère. Faut pas que je tire, sinon ça me spire. Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est quoi, genre les trucs? C'est des bonus ou des malus pour le jeu. Là, il y aura un jeu ici, donc là, ce sera les mimes et tout comme d'hab, plus un jeu avec le tableau. Et là, tu sais, le master mémoire où il y a la photo qui pop, tu sais que tu dois mémoriser. Toi, j'ai pas trop besoin de te briefer parce que tu sais. Je suis champion. Back to back. C'est ça, invaincu sur le Master Quiz. En vrai, c'est fou. Tu comptes le Master Quiz que t'as fait avec moi? Ouais. Oui, les trois. Bah, les trois Master Quiz qu'il y a eu, c'est trois victoires de Corentin. Normalement, j'ai gagné sur une Aya Nakamura. Mon compagnon s'appelle Vladimir Boudnikov. Je tente. Ouais, je sais qu'elle est en couple avec un Vladimir, je crois. Aya Nakamura. C'est une bonne réponse! Oui, alors oui. Improbable. J'étais très fier de toi. Je suis même sortie de la régie, j'ai passé une tête sur moi. Oui. Voilà. Allez, on va manger. Allez, à table. Ouais, c'est la meilleure équipe que j'ai. Oui, du coup, attention. On connaît l'histoire. On connaît trop bien l'histoire, attention. Bon, les gars, ce soir, Master Quiz. Les gens sont arrivés. On a Raska, Théodore. Ici, on a Orti, Étoile. Rayu, il est en train de se faire déchirer. Pas vrai, Doug? Voilà. Pourquoi tu leur as pas dit que toi aussi, tu t'es fait déchirer? Non, moi, j'ai battu Étoile. Tu t'es fait déchirer. Non, j'ai battu Étoile. Et Étoile, ce soir, il va perdre contre tout le monde. Là, il va perdre contre Orti. Il va perdre contre. Là, je suis sûr, tu prends la main et tu le bats. C'est sûr. Bon, bah, allez voir en bas un petit peu comment ça se passe. Hop là, petit brief. Là, c'est les bons élèves ici. Pour non, je parle d'élèves, moi je suis un champion. C'est vrai que toi, mais du coup, tu remets en type ton jeu quand même. Hein. Encore, ouais. Coco, tu vas t'équiper aussi, vous y allez deux par deux, il m'a demandé oui, Charles. T'as quel bon élève. Même si l'élève commence dans une demi-heure, je vais m'équiper maintenant. Quel bon élève. Tu penses que tu gagnes ce soir, Magla? Défini, gagné. Est-ce que c'est pas être dernière? C'est stylé quand même. C'est stylé. Moi, j'ai mis des pièces sur toi. C'est vrai? Sur votre duo, ouais, je pense. Ça m'entendrait dit ça à tout le monde. C'est nul ce qu'il fait, c'est parce que il balance ma stratégie comme ça. J'avais pas envie de m'équiper en fait. Hop. Oh non. C'est devenu une mauvaise élève. J'ai mis une pièce sur toi. Ah ouais, moi, putain, c'est ouf. C'est sur toi, Étoile. En fait, c'est la première fois que là, j'arrive en favori. C'est du coup, je check Étoile. C'est vrai.
sais pas pourquoi, je trouve que du coup là c'est là que je perds mon match. Tu vas pas gagner. Et imagine, juste imagine si c'est Doig qui gagne. Mais là on va en ensemble faire. Doig il avait qui? Théo ou impossible. C'est la troisième fois que je viens, j'ai perdu 2 fois sur 3. Il y a aucun monde où je repère une troisième fois. Ok, ce soir full tryhard. J'ai envie que tu perdes. Je le savais, ça a dit. C'est tellement, c'est tellement nul. Pour que je ne monte pas niveau 50 sur Diablo. Oh, t'es niveau combien là? Moi aussi je suis aspiré, j'arrive pas à m'arrêter. Ouais, je suis 36, j'arrive plus à m'arrêter là. Je n'arrive plus, il est trop bien. Ah, mais j'ai fait 14 heures non-stop dimanche dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un jour off. J'ai fait, ah, je vais jouer que à Diablo. Mais genre, t'as joué off ou t'as stream off? Ah ouais. Ouais, celui-là je le garde pour moi. Ouais. Mais t'arrives du coup à jouer que 1 heure ou 2 par jour? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Là, je vais rentrer jusqu'à 3h. Ça, c'est les vrais gamers. Les vrais gamers, ça. Là, c'est ça. Ah, c'est vous allez. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi frérot. C'est une dinguerie, il fait ça. Qui fait ça? Tu vois, super hein. Qui fait super. Dans le ravin. C'est bon, t'es Andréas, il va nettoyer, t'inquiète. Ouais, ouais. Il fait que ça toute la journée. Ouais. Mais c'est dinguerie, je nettoie ses conneries et tout. Attends, il est à Walp. Ah ouais. Et alors, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Oh, hop là. T'as dit quoi, Coco? Parce qu'on a pas fait l'onsen au Japon. Ah, ouais, c'est vrai que t'as perdu tes couilles un peu quand même. Franchement, faire le onsen avec ses employés, c'est un peu chelou. Tu trouves? Moi, je trouve pas. Tu trouves ça chelou de faire un onsen avec tes employés? Bah non, parce que c'est les bains japonais. Tout nu, tout nu, oui c'est tout nu, oui. C'est cool pour le team building, toi. C'est du team building. J'ai refait la même blague que Corentin, ça se voit, tu regardes trop les vlogs. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme ça que tu crées des liens. Il aime trop que je lui dise qu'il regarde trop les vlogs alors qu'il le regarde pas. Ta gueule. Oh, le petit Flo, Corentin. Le violet te sied bien. C'est vrai que le violet, c'est bien. Ouais, le violet, ça te va bien. C'est Lélé qui m'a mis. La balance. Quand je ferai des tournées, je la prendrai avec moi. Tu annonces une tournée? Sur la Lune, ouais. C'est le projet final. Ça, c'est ton projet final et après, c'est la retraite, quoi. Ouais, après, retraite à La Rochelle. Elle est belle, la Lune. Ça va, Yannou? T'es toujours pas venu me dire. Oh putain, j'ai rien. Le truc c'est de bientôt la minute. Ah, tu annonces officiellement la fin des trucs de Yannou. C'est en train de filmer, là? Bien sûr. Là, t'es exposé. Là, c'est sur Twitter, ça tourne. Ok. Est-ce que tu savais que Jim Carrey avait refusé le rôle du Captain Jack Sparrow? C'était le premier choix. Ouais. Okay. Est-ce que tu savais que Will Smith avait refusé le rôle de Neo dans Matrix? Ok, un troisième. Est-ce que tu savais que Gwyneth Paltrow avait refusé le rôle de Kate Winslet, enfin le rôle, pardon, Rose de Kate Winslet dans Titanic? Okay. Est-ce que tu savais que Tom Cruise avait refusé le rôle d'Iron Man? C'était Tom Cruise le premier choix? À la base, c'était Tom Cruise. Mais est-ce what? Que tu savais que Al Pacino avait refusé le rôle de Han Solo dans Star Wars? Mais what the fuck? Est-ce que tu savais que John Travolta avait refusé le rôle de Forrest Gump? Pas du tout. Bah maintenant, je le sais, Yann. Normalement, je vous ai appris des trucs. C'est le truc de Yann. C'est le truc de Yann. Il est trop chaud. Il est trop chaud. On est pendant ce temps. Là-bas, ça s'équipe. Bon, étoile, dis-le aux gens que tu vas gagner ce soir. Là, on en a marre. Ouais, en vrai, ouais. Après, vas-y, les jeux, c'est dur, quoi. C'est pas en mode. C'est pas parce que oui, t'es le roi de la culture. Oh, le roi de la culture, ta gueule. Attends, mais je te mets dans ton sens. C'est pas parce que t'es le roi de la culture générale que tu vas gagner en non, vrai de vrai. C'est en gros, le jeu. Enfin, c'est des jeux fun, quoi. C'est ça. Après, vu qu'on se connaît bien avec Coco, on peut, je pense. Je pense qu'on va avoir une bonne alchimie, mais ouais, ça va bien se passer. Mais c'est juste, genre, là, je trouve que les jeux de ce soir sont très cool. Je trouve mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment bien, mais là je sais pas, il y a des trucs rigolos donc non, ça va être marrant. On progresse, vas-y, on progresse. Faire comme Vanet. Ah, par contre, oui, faire comme Vanet. T'es favori ce soir, je pense. Malveillance max, t'es en malveillance max, c'est ça? Non, pas en malveillance max, je suis en bienveillance max. Non, je te sens, ouais, t'es en bienveillance full soleil là. Ouais, je suis solaire, ouais. T'es en full solaire. Un verre là, un verre là. Yo yo yo, régie yo. J'ai la rêve, c'est SCH. Ah, ça va bientôt commencer l'équipe. Rappeur, oh, tu m'avais trop peur, mec. On va te baiser, toi. Ok, pas la peine d'être vénère comme ça. Top 3 rappeurs. Nino, SDM ou Arenois. C'est personnel ou c'est... Enfin, c'est subjectif? C'est subjectif, c'est mon avis personnel. Mais du moment. NI très loin devant. Mais les gens vont dire parce que là, hype, mais les gars, depuis 2000. Bref, je vais pas faire l'ancien. Qu'est-ce mais sinon, en ce moment, SDM ou Arenois, j'ai. Voilà. Demande à tout le monde, j'ai hâte de voir. Ça est une légende! Vas-y, tu demandes à tout le monde. Gotha. Top 3 rappeurs du moment. Du moment? Moi, en ce moment, j'écoute plus trop de rap. Bah, top 1. Un rappeur, là, le moment. Drag, le loup du game. Il a le droit, il a le droit. Demande top 1, c'est mieux. Magla, je vous coupe. Magla, question tout de suite. Tu dois me dire ton rappeur préféré du moment. Il va dire Winter Zuko. Ça peut être français, ça peut être américain. Non, un jeune crack, il a sorti un album et il est trop bien. Ok, Horty, pareil, ton rappeur du moment, si t'écoutes du rap français. C'est validé. Là, on va aller sur des vrais connaisseurs parce que eux, c'est aussi leur métier. Tu vois, ils sont aussi dans l'underground. Mais là, c'est vraiment, on est sur leur rinté là. On va avoir besoin d'une seule info. Votre top 3 rappeurs du moment. Ouais, bah, je pense que ça va être les mecs que j'écoute le plus. En ce moment, c'est un mec qui s'appelle Malo en top 1 qui vient de sortir un projet.
s'appelle IG, qui est incroyable. C'est pas une promo, les frères. Top 1, c'est mon gars, c'est le meilleur. Mais attends, mais bien sûr, bien sûr. Myro aussi, un mec de Suisse. Et juste après, Oudi, que j'écoute énormément. Moi, j'écoute pas trop de rap en ce moment, mais je vais quand même dire Tiagola. Je dis Hamza. Que de l'underground. Moi, je dis que du mainstream, donc comme ça, on est ensemble. Et Booba tous les jours de ma vie. Ok. Ces gens ont du goût. Mais dites-le nous aussi dans les commentaires, votre top 3. Demandez les coms un peu là. Mais moi, je préfère. Tu me les déconcentres là. Top 3 rappeurs, Camille. Non, non, y a pas. Tu vas faire quoi, Camille? Je vais les briefer là. Les points essentiels qu'il faut pas qu'ils oublient et ce qu'ils ont à savoir. Ok, BJ. Prends compte quand même que Corentin, pour gagner, il a dit je veux plus être avec Dwagby, je veux étoile dans mon équipe. Tout ça pour gagner quoi. J'ai déjà battu. Bah oui, il a déjà battu. Bah est-ce qu'on se met avec moi juste pour gagner? On se met pas avec moi parce que je suis agréable. Moi j'ai dit je vais être avec étoile juste pour le fun. Juste pour s'amuser ce soir quoi. Ouais. Parce qu'avec Doc, tu t'amuses pas. Stop le vlog. Asseyez-vous. Votre attention s'il vous plaît. Vos micros, ils sont on toute la soirée. Attention à ne pas parler entre vous parce qu'en fait le chat va entendre au même titre vous que Yannou. Donc ça va être incompréhensible s'il y a trop de sidecompte. Si jamais vous parlez tous trop en même temps, on a un signal, Charles. Ça veut dire vous parlez tout ça. Sinon, amusez-vous bien, prenez du fun. Les téléphones en vibreur, si possible, posez là-bas. Et les petits pipis. C'est fini le petit pipi. Et c'est parti, là. Le brief est fini. Bravo Camille. Super. Bravo Camille. Allez, arrêtez d'en faire des tonnes. On a fait la petite story, Elise. Ouais. Ok. Tu fais quoi là-dessus? Tu balances direct, tu identifies tout le monde, comme ça ils peuvent repost dans leur story, c'est ça? Et après, ça part pour les petits view-view. C'est le nouveau nom, c'est les view-view. C'est les viewers. Je valide plus que les vlogginous. Non, il y a les vlogginous, c'est vraiment les hardcore vlogs. Et les view-view, c'est globalement les viewers de Corentin. Après, je peux parler des best-of inou, mais ceux-là, je les mets de côté pour l'instant. Ceux-là, je les mets un peu de côté. C'est beaucoup, pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas. Je vais faire une valise avec Yann. Voilà, ils sont pas prêts. Ils sont. Je te dis, ça passait très bien. C'est quoi là? La boucle d'oreille. Si je bouge pas comme ça. La boucle d'oreille. Et si je fais la vigie? Aïe aïe aïe. Oh non, le big flow. Je note qu'on enlève du flow aussi. Ah ouais, non. Je la mets ici. C'est pour ça que je veux pas me faire percer l'oreille. Ça me fume ces petits moments juste avant les lives. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la Golaga TV. Le Master Quiz, on va vraiment s'éclater. Ouais, c'est vrai. Il y a Sid qui fait un petit pipi et là, il débarque dans l'émission. C'est toi le meilleur, toi. Toujours là. J'ai embauché moi. Ça va être toi. Je vais venir embaucher tout le monde. Par pitié. Je veux qu'il me débauche. 10 000 euros par mois. Il t'a survendu. Mais en même temps, ce qui va se passer... Mais... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Allez, bonne soirée tout le monde. Comme ça. Oh la catapulte sur la bouteille, c'est passé quoi là? C'est un plaisir. Faut rester sur milieu, c'est ça, c'est sur le désert là. C'est l'effet que je te fais. Ouais, ici c'est un peu l'auberge espagnole. On accueille les gens, ils viennent, ils partent. Normal hein. Il s'est passé quoi? Ils ont pissé dans une plante. La plante est là. Je sais pas ce qu'il y a dans cette plante, mais la plante est là. Ah non. On le saura au moment où la vidéo sort, vrai. Bon, il y a une plante ici qui va être balisée comme les scènes de crime là. Plus personne ne la touche. Désolé Lélé. Ma plante. Alors en gros, ça, c'est un jeu qu'on faisait un petit peu en primaire. Il va y avoir un mot à dessiner, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va mettre son doigt sur le dos de son coéquipier et l'autre qui sera devant le tableau à dessin devra refaire exactement le tracé. Moi j'ai fini, hein. Je le refais si tu veux, mais... Ouais, vas-y, attends, je vais refaire un deuxième mot. C'est une grosse paire de boulot. Bien évidemment, vous avez reconnu qu'il fallait faire un papillon. Bah c'est bon. Il y a pas les antennes. Zéro. Mais là, c'est compliqué de parler à la tête parce que si on se dit 10 secondes, on va peut-être pas foncer. Et parce qu'il y a plein de points dans tous les sens. Il y a énormément d'assets, de points attribués, de points à retirer. Et je dois prévenir Yann du moindre truc dans. On est hyper connectés, donc je dois lui parler très souvent au micro et tout. Donc c'est assez tendu. Ce soir, franchement, c'est l'émission la plus tendue, je trouve, en régie. Courage. On passe au Master Karaoké. Le blind test, ce sera très simple. C'est un blind test. Nous sommes très contentes de vous retrouver. Ouais, ça faisait un bail. Là, c'est un jeu, c'est les filles de Yann qui chantent. Et Étoile, il peut pas parler parce qu'il a un malus. Et du coup, c'est hilarant parce qu'il a toutes les musiques, mais sauf qu'il peut rien dire, il a pas le droit. Et ça, c'est cher. C'est parce que tu m'as trop battu sur Smash. Tu fais trop le mec sur Smash. Cher pour toi, Étoile. Est-ce qu'on a les scores déjà? 72, 56, 62, 54. Il reste Master Quiz. Mais oui, c'est ça. Alors là, attendez, c'est le Master Quiz. Et là, Coco a une chance de remonter. Tout se joue maintenant. En Italie, dans quelle ville a été inventée la pizza? Naples. Ouais. Corentin en foot tryhard. Attention, attention, il y a de la pression mais il y a aussi du plaisir. Oui, non, Égalisation. C'est pas la même. Active, combien il y a de caméras sur le plateau?
Il y en a 8. C'est une bonne réponse. Oui, wow. C'est gagné. Oh le taré, mais comment tu sais qu'il y en a 8? Oui, je savais qu'il y allait une fois la poser cette question. Elle est arrivée. Mais attends, je suis avec eux, comment t'as fait ça, frère? Une fois que tu l'as fait ça, je commence à tourner la tête, je suis en mode. C'est une victoire sans appel, c'est Gotha et Étoile. Écoutez, pour ma part, déjà, je tiens à remercier beaucoup tout ce qui a été modération, la G-Corp, etc. Merci infiniment, merci pour votre confiance aussi. Allez, on vous fait des gros bisous, merci d'avoir été ce soir sur la Gotha GTV. Ciao. On vous souhaite une bonne soirée, des bisous. Et vous retrouvez tout le monde sur internet, bye bye. Nouvelle victoire, indétrônable. Ouais, on a eu de la chatte hein. 3, 2, 1. Merci. Bravo tout le monde. S'ils ont une vidéo YouTube où ils gagnent des points s'ils venaient ici. Il devait y avoir Michou Inox aussi, mais ils sont pas venus au final. Ils devaient m'arroser ce chien. Non, ils devaient venir juste s'incruster dans ton live. T'es tellement trempé. Et ils ont fait un truc dans ton bureau aussi. Ils sont rentrés dans ton bureau à un moment, ils ont fermé le rideau. Ah ok. J'ai demandé à Sid. Bravo Yann. Quiz quoi? Encore une master class. Ah mais oui, parce que master quiz. Master class. Master class, c'était le nom d'un jeu. C'était mes filles. Donc t'as rien inventé en fait. Ouais. Mais bien joué. Merci Yann. Ce qui se passe les gars, c'est que du coup demain matin, il y a un bootcamp de Gentlemate. Il est minuit. On doit tout désinstaller, tout remonter, installer les 5 setups pour que demain Gentlemate puisse venir bootcamp. Voilà, c'est parti. Et voilà, c'est ready pour le bootcamp de Gentlemate demain. Tu te rajoutes du taf, Andreas. Arrête de faire ça. Arrête d'avoir ce réflexe de faire des doigts d'honneur. C'est toi qui les floutes après, Andreas. Gentlemate demain avec les nouvelles chaises Kersus qui sont trop trop belles. Super agréable. Un banger. Dernier mot du lundi. On vous aime. C'est pas un mot, mais c'est sincère. Oh my god. C'est quoi? C'est la veste. Ah, celle que tu vas me filer gratos là? C'est une mère. Ça, c'est instantanément dans le panier là. Ça y est. Non, mais regarde le truc. Ah ouais, c'est incroyable. Wow, j'espère que vous aurez la chance de pouvoir toucher ça aussi, hein, les gars. Oh. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Bon, avec le short de l'équipe de France. C'est exactement comme ça que ça se porte. Putain, ouais, parce que regarde, en fait, au niveau de tes manches, t'es beau. Ça me va bien ou pas? Elle est trop belle. Attends, parce que regarde. Wow, ah ouais. Mais ça, c'est les petits détails, tu vois. C'est les petits détails. Et regarde l'intérieur. Si t'as une tache à l'intérieur. Nice. Et regarde là. Celle-là elle est insta-buy de mon côté hein, voilà. Moi je trouve qu'elle est trop petite pour Watt. Regarde derrière avec ses épaules carrées là. Ah t'es dit que j'ai des épaules carrées? Ah je suis flatté, merci. Mais toi t'as un monte un peu trop non? Moi je pense que ça ira nickel. Même si je suis plus grand, je pense que ça ira nickel. Tu vas essayer? Non. Mec chanté. Ah bah elle ça lui va clean de fou. C'est ma toté, ça. Non mais ouais, ça lui va trop bien en vrai. Mais tu vois, Alex c'est nous. Ouais, Alex c'est... Oh, Alex c'est carré de ouf. Oh, Alex c'est carré de ouf. Je suis perturbé. Ah moi c'est chaud moi là. Vas-y tourne-toi. Ah ça te va, par contre ça te va vraiment bien. Ah ouais. Ouais ça te va bien. Waouh, mannequin. Qui est cette personne? Disponible sur la boutique shop.gotaga.tv dimanche. Sans le mannequin, désolé. Ouais non ça, je suis déjà pris le mannequin. Non jure? Dommage. Ouais bah du coup avec le t-shirt crop top et tout, ouais c'est... Bah ouais, y'a des gens qui ont du fouet hein, qu'on n'a pas frère, moi j'ai pas de fouet. Ah mais elle est trop belle. Ouais. T'es mal à la veste, on la voit plus frère. On voit que ça. Ouais, en fait, nous, du coup, ça fait ressortir ta poitrine. Après, c'est une chose positive. Ouais. On voit qu'ils ont envie de rire. C'est ouais. Du Bizama, mais... du coup, le design. Ouais, c'est ça. Trop fort. C'est lui qui a fait la fresque aussi. Alex, tu peux essayer? Ok, pas de problème. Non, le premier lavage. Oh putain. Comment il est. Waouh. Oh là là, j'ai char. Ah, il a vraiment pas réfléchi à se dessaper, hein, c'est... Après, c'est censé rétrécir un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on en dit, ça? Le L est bien, mais si ça rétrécit un petit peu, du coup, il faut que tu prennes XL. En fait, c'est que c'est pas la version définitive, celle-là. Mmh. Normalement, avant de nous les envoyer, ils sont censés les laver, et du coup, en fait, ça fige la taille. Seulement, vu qu'on a le shooting demain... Ah, c'était pressé. Voilà, c'était pressé, donc ils ont pas lavé ceux-là. Mais ceux qu'on va recevoir, ils auront pas la même taille, tu vois. Et ça sort quand, ça, Shaina, du coup? Ça sort dimanche. Tout ça, là, donc on a la veste, on a un autre t-shirt. Donc dimanche, demain pour ceux qui regardent le vlog, parce qu'on en a parlé avec Shaina dans le précédent vlog. Il est dard. Et du coup là, ça c'est la collection Shonen dont on parlait qui sort demain. Oh là là, la dinguerie, moi je le kiffe trop lui. Oh le rouge est plus beau. Le rouge il rend trop bien. Ce serait pas de l'encre gonflante? Eh oui. Comme sur ce que t'as là. Oh mais non. À quelle heure que ça sort, Shaina? 14h. 14h. Wow. Dimanche 14h, les gars. Dimanche 14h, soyez là. Et cassez pas le site, s'il vous plaît. Dingue, comment il est trop beau, voilà. Touche. Les deux, ils ont débarqué comme s'ils avaient fait des trucs dans le. Non, j'ai pas bien touché. Elle m'a dit touche.
Sa casquette, là, on dirait un enfant de 6ème. Vous étiez où les deux là? Vous avez débarqué comme si. Ici, je peux vous dire que ça a pêché aucun poisson. Tease. Voilà ce qu'il y a après demain, les gars. Perfect. Et ça sera sûrement dans le prochain vlog ou celui d'après que vous verrez tous les coulisses de là où est-ce qu'ils étaient. Mais c'est pas encore. Ah oui, il y a un Bob aussi. Il y a un Bob. Il y en a un deuxième, trop beau. De coloris. Il est noir. Oh putain, la gueule de Elise avec le Bob. Oh la pêcheuse. Alors ça c'est quoi, Shaina? Ça c'est l'enfant, Ikigai en couleur denim. C'est en encre gonflante aussi, mais c'est vraiment... On a essayé de faire l'aspect des vagues. Okay. Il y a écrit quoi? C'est incroyable. Ikigai. Ikigai? Ikigai. Non, c'est ce que t'as tatoué. C'est ça. C'est un proverbe assez connu que t'aimes bien, qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'était un easter egg le... C'est un easter egg. J'ai tease la prochaine collection. Mais attends, mais pas le S. Ah, mais y'a Coco. Ah ouais, ok. Mais du coup t'as mis ma tête partout là. T'as mis ma tête partout. Mais on sait pas que c'est toi, c'est... Ouais, non. C'est un chouette. C'est un personnage. Regarde ça. Ouais, c'est bien, y'a pas ma tête, j'aime bien. Mais y'a marqué Gotaga. Oui, mais lui dis pas. C'est toi, c'est Chris qui a sur le tatouage. Ah, mais il a vérifié direct. C'est la même chose ou pas? Élise, tu m'as menti. Quoi sur mon bras? Petit jogging. Alors, ça, c'est à taille un peu large, je crois, t'avais dit, Shiny. Ouais, ouais. C'est prévenu, les gars, vous savez, c'est du oversize. C'est fait exprès. Les gars, M, ça me va presque. Je pense que L, pour moi, c'est bon. Vas-y, mais t'as enlevé. Ah, t'as enlevé le haut, enlève le bas. Je le réserve pour l'autre chaîne YouTube. Du quoi coup, donc il y a. Alors, ouais, donc c'est une collection qui est très riche. On a l'ensemble jogging, on a deux t-shirts, on a la veste et on a pas à moitié, les deux gars. Bob. C'est toi, Camille, qui avais lancé le projet. J'ai bossé beaucoup avec Vivizama sur ce projet. Donc, c'est lui qui a dessiné et tout. On se faisait. C'est une collection qui a mis du temps à se faire. On a pris le temps de la faire. Toutes les semaines, on avait une réunion sur l'avancée et tout. On validait avec Coco au fur et à mesure les sketchs, etc. Ça a abouti à une très belle connexion. Shaina a pris le relais dessus et s'est occupée de toute la partie production et franchement ça rend super bien. Fidèle au travail qu'on avait initié, donc franchement c'est très joli. Trop hâte que ça sorte. Ma pièce préférée est depuis toujours et c'est ce t-shirt. La construction même, parce qu'en fait on raconte une journée, tu vois. C'est Coco au réveil qui mange à midi, qui lance son live et qui gagne pendant son live. On s'est dit genre ouais il a fait top 1 Warzone ou Fortnite ou peu importe, win et puis voilà tu vois. C'est mon préf et en plus là les petits l'encre gonflante qui vient donner du détail et du relief, c'est exactement ce qu'on voulait. Ouais, je comprends trop exactement joli. Ce que tu veux dire, parce que moi je sais, j'ai un t-shirt en encre gonflante. Shaina, est-ce que t'as des conseils un peu pour le lavage, vu que c'est y a des trucs, des reliefs à l'envers, à fragile, pas mettre au sèche-linge. Ouais, genre vraiment 30 degrés maximum. Ouais. Si vous pouvez laver à froid, c'est mieux. Ah oui, il y a ce bob aussi, trop. Et en fait, c'est pas les mêmes. Et okay. Franchement, les deux sont trop chouettes. Et il y a détail aussi. Pour les petites tâtes et les grossettes. Quelle est la prochaine étape, Shaina, du coup? C'est le shooting. J'aurais comme modèle. Bah, Cam et moi. Toujours Yann et toujours pas lui, frère. Tu m'avais dit que c'était moi. Mais il y a un problème, c'est que putain, genre j'aime trop les photos d'Yann. Ah ouais, putain, il est vraiment trop beau gosse ce mec là, regardez-moi. Vas-y, Yann, c'est bon, je te leg. Ouais, peut-être pour les beaux, faut rappeler quelqu'un d'autre. Si tu veux, tu prends le bob. On passe en mode shooting, c'est parti. Allez, c'est parti pour le shooting. C'est moi. T'as enculé. Après, vous savez. On le bouille. Hop là, fin de shooting. Ouais, fin de shooting, du coup je suis trop contente, ça s'est super bien passé, les pièces elles sont magnifiques. Elliot, quel crack encore une fois. En plus il va nous sortir ça très vite et tout, donc toujours le meilleur. Des petites photos là, pa. Et du coup il y a tout qui sort demain sur le shop Gotaga TV à 14h. Je suis particulièrement fière de toute la collection, mais la veste elle est vraiment d'une très belle qualité. L'intérieur, le ressenti quand il est porté, les détails, le patch PVC. Ah c'est une master. Masterpiece, hein. Ouais, vraiment, il est trop fraîche. Je suis très contente. J'espère que ça va vous plaire. Prête à ce qu'il casse le site? J'espère que le site sera pas cassé pour que tout se passe au mieux, parce qu'effectivement, on n'a pas encore eu le temps de faire la migration. Mais écoutez, si jamais il casse, de toute façon, je suis là et on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux, que vous soyez contents et que vous ayez la meilleure expérience client possible. Trop bien.
Ok, donc pour le best-of, on avait demandé à des gens de nous faire des sons. Filme-toi, toi, on te voit jamais, t'es trop beau en plus. Contexte, Yann explique. Alors, en gros, pour le best-of, on a demandé à des gens de faire des sons avec la voix de Camille qui dit qu'elle va détruire Gotaga. Et Gotaga a dit de clipper pour en faire un son. Et du coup, des gens l'ont fait. On va écouter le premier son. Le prêt. Premier. Après, t'as osé dire Gamorik l'a détruit. Ça part en vrai, ça. Gamorik l'a détruit. C'est incroyable. Et je vais te détruire. Oui, c'est un banger de fou. Je vais te détruire. Surtout que c'est moi qui me fais détruire. Et du coup, tu te vois faire le montage là-dessus ? Il y a moyen. Ah ouais, ça marche. Après, c'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas assez de répètes. Genre, il n'y a pas assez d'utilisation de la bande-son. Après, le gars, je crois que c'est un vrai musicien. Je peux lui demander de bricoler un peu. Ma voix, elle est dégueu. T'as un crack, Sound the Music. Bravo. Bravo d'avoir joué le jeu, c'est cool. Il y a Alex qui m'a dit de le filmer quand il remonte. Donc, je vais le filmer quand il remonte, du coup. Alors, c'est pour. Il m'a fait trop peur ce bâtard. Bah tu m'as dit de te filmer donc je te filme. Eh les gars. Oh vous êtes des bâtards. C'est le jeu. Et nous. Oh mais c'est beau ouais. Never give up, quel banger. Oh là là là, mais quel team ça. De toute façon on va être en short de foot hein. Tends-le bien s'il te plaît. Never give up, tournez-vous la vite fait. Comme les dates de concert, toutes les défaites de Steph avec les dates. T'es obligé de le rappeler hein. Bon t'as quand même mis un 2-1 à un moment Steph hein, c'est cool. Y'a un 2-1. Never give up. Par contre, ils sont petits. On a une Lena Bisso. Même Corentin est venu voir. Ils sont tous foutus de ma gueule. Tout le monde est par terre, c'est ça, ma terre. Oui. Ok, Lena. Mais je regardais le vlog et en fait, à un moment, ils ont testé les planches à casser là. Ils se sont tous fait malin par eux, ils sont tous par terre. Ça me termine de savoir qu'il y a leur petit être qui est en train de faire chauffer à la crèche entre les deux. Ils sont là. Ouais, ça fait trop mal. Hein. Ça fait mal quand même. Hein. Mais t'as tapé à gauche en plus. Par contre, ça fait pas mal. C'est un mal, t'as tapé à gauche. Ça devient violet. Montre-lui ce que fait Liam. Il a essayé de faire fumer la gueule. Non, bébé, il manque trop là. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est bien trouvée. Ça m'a pop à la gueule, j'étais mort de rire. Beau travail, Andreas, beau travail. Tu fais rire le boss. Il se passe quoi ce soir? Pourquoi il y a Nathan là? J'avais oublié. Qu'est-ce qui se passe? Le Alex qui te filme, il vient. Il fait, tu fais quoi aujourd'hui? C'est vrai. Tu fais quoi Nathan aujourd'hui? Ça s'entraîne. Et on a un match contre Wild. On est prêt. Il y a destruction contre Wild. Abattre l'ennemi. C'est bon ça. Abattre l'ennemi. Et Coco, il caste avec du coup Lucas Brox comme d'hab. Ouais, ils se mettront ici là, tu vois, sur leur petit bureau de caste. Vas-y, fais-moi une présentation du setup. Présentation du setup. Là, ils ont le jeu. C'est là qu'ils voient en direct le match. Là, ils ont le chat. Et le stream, là, du coup. Ils ont chacun 1, 2, 3 casques. C'est là, elle marche pas. Comment ça? Si, elle est allumée, c'est une Black Magic. Ça va régler les soucis. Ça me fume. Coco, c'est celui qui passe plus par des techs, etc. Mais en vrai, il connaît de fou. Il connaît de fou. C'est sûr qu'il va régler son problème solo, 100%. C'est le meilleur technicien. Tu sais que s'il avait pas été. Dis les termes maintenant. Influenceur, créateur de contenu gamer, ok? Il aurait été. Pourquoi ça rigole? Il aurait été certainement un G-son, monteur vidéo. À la base, il montait ses vidéos. Oui, bon, c'était un peu catastrophique. Oui, mais il aurait step up parce qu'il est autodidacte. S'il avait pas besoin d'être le créateur de contenu plus le monteur vidéo, s'il s'investissait que dans le montage, il aurait été fort. Il aurait pu tout devenir, il a choisi de devenir un crack. Il aurait pu faire graphiste, il aurait pu faire technicien, régie, son. Non, de Coco. J'aime bien ton t-shirt, Elise. Ah ouais, ouais. Et toi, elle aime bien le tien peut-être aussi. Bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais non. Check combat. Attends, j'ai mon doigt cassé. Voilà, regardez les gars, hop là, dispo sur la boutique, shop.gotaga.tv, bam bam. Description, bam. Celui-là est dispo. Ouais, celui-là est dispo. Et du coup, ça, tu m'as pas présenté, c'est quoi, Cam? Ça, c'est un stream deck. Alors... Ça sert à quoi, ça? Toi, t'es comme moi, toi. Nous, faut pas qu'on touche. Je suis avec deux mains gauches. Ouais. Cast M8. Ah, et Desk M8. Et quand t'appuies sur les boutons, s'il se passe quoi? C'est pour changer les cams. C'est pour changer les scènes. Full cam, full PC, cam chat. Et c'est de là, du coup, qu'ils changent les scènes dans le stream. C'est pour ça que. Petit tips, quand vous regarderez les casts M8, Gotaga sera toujours assis à ce siège. Parce qu'il a accès en temps réel à son setup, du coup, comme ça, il peut faire les modifs. Il sera toujours assis là. Oh mon dieu, ce feeling d'avant-match là. Ça sert à quoi ça? En gros, c'est genre, ça permet de cliquer plus facilement. Okay. En gros, c'est un truc qui me tire vers l'arrière, tu vois. Du coup, ce mouvement là est facile. Vraiment? Ouais, vraiment. Ah, okay. C'est trop bien. Du cheat ou peut-être. Tu joues dimanche? Ouais, d'ailleurs, j'hésite entre la célébration de victoire. Putain, dommage. Oh, brief. Il y a des priorités dans la vie. Allez, vas-y, dis-moi, vas-y. Vas-y, non, après la victoire, vas-y, va au brief. La célébration, je vais faire Yoru ou je sais pas. Malveillance Max. Personne l'aura, je te dis, personne l'aura dans le. Pour combien tu fais quoi couper? Non, arrête. Non, je vais pas faire un quoi couper devant 80 000 strikes. Je pense qu'en foot, t'aurais gagné. Non, je pense que je vais gagner. Suzuki. Il veut délire. Il est pas bon? Si, il est bon. Mais c'est que les gens, ils ont retrouvé mon profil tennis, fédération française de tennis et tout. Et du coup, il y a quoi sur ton profil? Ils disent que t'es droitier, si tu fais un revers à une main, deux mains, etc. Mais j'ai jamais rien rempli, donc je sais pas comment ils le savent. Si, il y a écrit débutant.
niveau débutant. Il a jugé ton niveau débutant, il a fait débutant. J'ai vu ses yeux, il a fait... Non, moi je sais que je joue, on explose, donc je sais pas quoi. Ça va être la fin du thread là du coup. Là-dessus, là, sur ce match. Ouais, petite boucle d'oreille là. Ouais, mais écoute, je le fais, frère, je le fais, si tu dois le faire, je vais gagner que pour la boucle d'oreille. Tu gagnes, je fais la boucle d'oreille, gros, c'est bon. Ça va, c'est quoi votre pronostic un peu pour ce soir là, pour le match? Je pense qu'on va gagner 3-0. Je suis pas aussi optimiste, je suis d'accord sur un 3-1, tu vois. C'est contre Wild, mais au 5. Moi je dis 3-1, pour nous. Moi j'aimerais bien un 3-0. Tu pronostiques? Un 3-2. Moi je dis 3-1 aussi. Franchement, 3-1. 3-1 pour nous. Pronostic pour ce soir? 3-1. Putain, tout le monde dit 3-1. Pronostic pour ce soir? 3-0. On va voir ce qui va en être. Pronostic pour ce soir, BO5. Pour mon équipe. 3-1 pour ton équipe. Il y a quand même une map qui est prise. Une map qui est prise pour le spectacle, parce que les gens aiment voir le spectacle. Donc on laisse un peu espérer l'adversaire et après on les achève derrière. J'aime ça, j'aime ça. Ouais, non, aujourd'hui on fait pas espérer. Non. Après, si on peut mettre 3-0, c'est bien aussi. Tout le monde sait que je suis supporter du Bayern, mentalité allemande. Si on peut mettre 3-0, on est heureux, on part à la maison, on est content. Comme ça, au moins, on finit le travail. Le travail et le match. Et on rentre à la casa là. Soirée. Je suis mort. Big demi-finale, les gars, faut absolument pas perdre, c'est un BO5. Et on va regarder ça. Hop là, petit timelapse. C'est vrai, c'est déjà meilleur qu'Alex. On est parti dans cette première carte des... Ok, on commence en défense. On commence la défense, attention. Waouh, waouh, waouh. Ils ont récupéré la garden. Oh le GG! Oh l'exec de fou! On a même pas eu le temps de faire! What the fuck! On est en finale! On est en finale! Oh! Ça a donné les casques! Ça a été en retard, quel cliqueur! Bravo les gars, bravo! Vas-y, je viens là, moi. Vas-y, va. Expliquez-nous, les gars, expliquez-nous, mais what the fuck! Comment vous avez. Vous êtes remis après la première map, vous étiez en mode. En vrai, on savait. Alors, y'a nous content? Bah, grave. Moi, allez, à cette heure-là, normalement, je peux pas suivre les matchs. Donc là, je veux dire, je dis à ma femme, ouais, non, mais on m'invite et tout, c'est hyper important. C'est hyper important pour moi, ouais. Donc, ouais, j'ai bien kiffé. Ouais. Moi, je suis au foot, là. Ah, ouais? T'es à fond, là? En profondeur, Elise. Mais ouais, j'ai. Allez Stéphane Ouais Stéphane Allez Stéphane Non, on peut pas dire à Roland Garros, faites si, ouais. Non, le BG Bon, du coup, pour dimanche, on verra. Par contre, les gars, c'est pas sûr que ça passe. Là, on est en train de s'emballer et tout. Moi, je pense qu'il faut les cacher. Hein. Mais moi, je pensais que c'était des drapeaux, tu sais. Mais sauf que là, c'est en métal et tout. C'est impossible à cacher, frère. Oh les bâtards. Elle est immense là. Mais t'es au bout là. Ouais, par contre, ouais. C'est impliable. GG, vous êtes des rois, les gars. Attention, les gars, je vais envoyer un service à 160. Je te fais la routine comme si j'étais en maths. Déjà, je demande une balle. Hop, choisis, j'envoie. Je viens de remarquer qu'il y a Alex là-bas. Bon, là, il est là, il fait le ramasseur de balles. Il y a Alex, qu'est-ce que je fais déjà? Et là, là, c'est un service à 170 qui est parti, c'est un mec. Et je crois qu'il était parfait. Putain, je vais pas y arriver. One is annihilator. Du coup, j'ai trop peur. Non. Oui, alors. Non, je le contrôle pas. Oui. Allez, premier qui vise la cam, il a gagné. Pendant ce temps, les joueurs sont en train de s'entraîner parce que demain, c'est la finale. Ça se passe dans un bar et tout. Je crois qu'il y a une grosse prod, ça va être trop stylé. Nous, on sait pas du tout à quoi ça va ressembler. On est tous invités, la G-Corp, à aller regarder et on va les exterminer. Demain, on les extermine ou pas? On va tout faire. Hein. C'est pour gagner la V2 de ça. Ouais. Il entend revenir long. Yo la team! Yo la team! Okay. Ouais! Ça fait municipal ou pas avec le sac là? Un peu. Franchement, un peu. Avec le petit polo et la petite chemise. Ça, c'est la tenue Roland Garros, ça, les gars. Ah, il y a des trucs à dire. Bon, déjà, les gars, hier, c'était le big match, la big finale de M8. On a gagné, c'était serré, c'était intense de fou. J'espère que vous étiez présents. Sinon, on vous met quelques clips. Je crois qu'on vous a déjà mis quelques clips. On vous remet des clips, on a fait des quacoubés partout. J'espère que vous avez kiffé, voilà. Quand vous avez fait les oreilles d'âne, je me suis dit... Ah, il y a quelqu'un qui l'a remarqué, ça. J'étais en mode personne, mais tout le monde serait ma vue, frère. Et Lily est à deux doigts de passer devant Ronan, hein. Ça se joue à quelques votes. Ouh là là, 2% près. Je comprends pas pourquoi Gotha est prime.
Ok, les joueurs arrivent d'ici 10-15 minutes apparemment, les amis. Voilà, du coup, incroyable. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. Et Stéphane Capella. Oh, Roland Garros, les gars, putain, vous vous rendez compte. Par contre, une chose, c'est qu'on nous a dit, genre, on va pouvoir faire 2-3 balles avant de commencer. Ouais, je vous voyez, c'est comme si tu faisais un match à championnat du monde de ping-pong. Ouais. T'as 2 balles pour t'échauffer. Ouais, parce qu'il y a la régie, etc. C'est pour ça. Bah ouais, surtout le timing est serré. Tu vois le matos là, t'es venu équipé comment là? C'est parti, donc je suis venu avec ma raquette. Et ce que j'ai refait, attends, le cordage, t'as un sphère absolument pas. Ouais. Toujours le vieux cordage complètement éclaté. J'ai pas voulu le truc. J'ai demandé la raquette à celui qui me bat tout le temps, ce gros bâtard. Oh, je suis mort. C'est le sphère. Ensuite, y a plus rien. Y a plus rien, les gars, je suis pas pro. J'ai un short et un t-shirt quoi. Une nouvelle chaussure achetée pour l'occasion. Déodorant, très important. Vous savez, je pense que je vais mettre quel t-shirt? Je pense que je vais mettre celui-là. Ah oui, ouais, ok. Tu vois, je suis habillé tout en noir et ça fait une petite touche de couleur. La petite réfo au Japon. Juste, c'est quoi ça, mon ref? Ça, c'est si j'ai besoin d'une petite dose de sucre, un parfum pour après pour prendre des petites photos. Bah, mon groupe électrogène, au cas où il n'y a plus d'électricité, pour allumer les caméras. Ok. Ouais, la brochette, t'as fait la brochette. C'est les Dalton ou? Never give up, les gars. Et incroyable. Aujourd'hui, on représente Steph au. Montrez mes victoires derrière là. Je suis mort. Oh les rois. Bon, avec Steph, nous on y va. A tout à l'heure, les gars. Never give up. On a les banderoles et toi, Alex? Eh oui, on a les banderoles. Je suis joueur. C'est un petit joueur privé et tout. PA, putain, il nous met bien. Hein. Il nous met super bien. Du coup, tu joues contre qui? Hugo Délire. Tu penses que tu gagnes ou pas? En vrai de vrai. Les gars, faut savoir un truc, c'est que oui, le thread de Twitter, Steph est en mode oui, hyper. Mais Steph, c'est pas dégueu. Hein. Vraiment, il donne tout pour gagner. Et il arrache 95% des gens qui regardent la vidéo là actuellement. Okay. Sur le niveau, normalement, on est vraiment équivalent. Mais on verra bien. Si tu gagnes, on retourne le stade. Incroyable. J'ai toujours rêvé de mettre le sac comme ça. Ça le fait ou pas? Regarde, dis-moi. Donc là, vraiment, tu vas en Roland Garros, toi, non? Attends, gros, les raquettes, elles m'ont le dos là. Il fait vraiment les bougs. Tu vois ton adversaire au loin là. Ouais, c'est un joueur. Oh mon dieu. Ça, non, mais je reconnais. C'est un joueur pro ça. Comment ça se check? Ça se check de quoi là? Excusez-moi, non, mais ça c'est un joueur professionnel. Ça y est. C'est ma copine qui me l'a acheté. C'est pas moi. Aïe. Bah alors, Yann, comment ça se fait que c'est moi qui ai la cam? Bah, il ne laisse pas passer la cam. Du coup, déjà, à la base, il le fait. Soit sur un selfie stick, je fais bah non, ça reste accroché. Et après, il y a un autre gars qui se ramène. Enfin, ça passe pas à la GoPro. On va voir s'il me recale. Je veux dire que je joue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gars, on entre bientôt sur le complexe. Tu vas tout casser. Et on a un soldat dans ton équipe. Hein. Mais je sais, mais en fait, Steph, il est dans mon équipe. Oui. Steph, t'es dans mon équipe. T'es mon poulain. Non, c'est toi qui gères. Moi, je suis la défense ouais, de l'équipe. T'es mon poulain, toi. Mais complètement, je suis ton poulain à fond. Mais par contre, tu dois gagner le double. Faut que je joue sans pression. Aïe. La pression un peu quand même. Mais je suis trop stressé. Ah oui. Bon, Steph, je me chie dessus. Hugo, il a l'air chaud. Voilà, je le dis. Hugo, il est méga chaud. T'es mal à tenue du bouc. Il a deux sacs et tout. Frère, il fait peur un peu. Mais on est confiant. Ah ouais. Il y a de l'orage aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on casse le thread, Steph. Aujourd'hui, casse le thread. Sachez que si je gagne, ce thread deviendra officiellement un thread de victoire. Non, je pense que de tout 2023, je perds plus. Ça va tellement me boost. Si tu perds, du coup, ça va foutre un bon comment là, non? Bon, nous, c'est la continuité, hein, tu sais. Vraiment, c'est vrai que Steph, si bien, il a rien à perdre. Quoi. C'est hyper bon. C'est Hugo qui a tout à perdre. Moi. Là, tu joues là, mon ref. Hein. On est à la foire fou. C'est Mario, ça, je reconnais. Petite photo pour la mini qu'on aura gagné. On va où là, Steph? C'est une dinguerie. Bah, je crois qu'on va au vestiaire. Ouais, bro, je vais me caler dessus. Steph, tu vas te changer là, c'est ça? Tu as un petit massage? Attends, mais il y a le. Cadreur kiné. Vas-y, fais-moi l'oignon là. Hop là, ça va le nerf pour le. Il y a des joueurs pro qui sont de masser l'oignon. Oui, aussi, quand même. C'est une dinguerie. C'est vrai. On est assis. On est en train de cramer au soleil. Il y a Cam qui nous a rejoint. Hey. On est pas rentré avec la GoPro. Je suis frappé par l'agent de sécurité. Il m'a dit casse-toi avec la GoPro de merde. Eh, hey, regarde là-bas, ils ont tous le même. Ça a le coup. Ça filme. Bah, c'est ça. Vous êtes avec les bois rien? Ouais, ils sont là. Hey, t'as deux, tu vas perdre dans ta meuf. C'est grosse merde. Ouais, regardez le flex, c'est de merde. T'as pas intérêt de perdre, je te jure. Ah ouais, ça filme là. Vive le tennis. Bonjour caméra. Vous serez tous équipés d'un Madonna, donc d'un micro pendant le match. Pour qu'on vous entende un peu. Comment ça, on commence par le premier double, c'est Tino Bartoli Trivia Tsonga. Excuse-nous. Hein. On enchaîne avec Rémi et Hippo. Le vainqueur de ce match-là joue contre De Bruyne. Mais non. Le vainqueur de ces deux-là joue, se fait démonter contre un genre. Ah oui, voilà. On a un autre simple, on a Hugo Délire contre Steph Capella. Le main. C'est toi, Frida, qui va commenter ce match-là. Let's go. Je sais, je suis neutre, t'en fais pas. Merci. T'as fait ton caca stress ou pas? Ouais, ce matin, mais il y en aura peut-être un autre. Là. C'est important. Hein. J'ai la pression pour vous de fou. Moi, j'en peux plus. J'ai mal au bide. En fait, le plus stressant, c'est pas forcément de jouer là. Ouais. C'est genre de pas avoir le temps de jouer. Ouais, okay. Avant, tu vois, on rentre et ça commence direct. Ouais. Je vais me mettre tranquillement dans le sac à dos de Joel. Je vais l'appeler Joe pour les intimes. Stylé, ça c'est quand même stylé en vrai. Mettre dans le sac à dos de Joe. C'est quand même un petit flex ça. C'est tous les deux vous jouez. Ouais, du coup, c'est Tinou. 15-3, mais avec la prépa, je suis descendu 15-4. Et toi, t'es quoi toi? Je suis 30.
là, mais j'étais 15-4. T'es 15-4, Tinou ? Je connais pas trop les classements, je sais pas si c'est bien ou pas. C'est un classement de 15-3. J'ai été classé il y a 12 ans, j'étais classé. Ah oui, ça veut pas dire que je vais devoir faire. Ok, ok, ok. Elle est là, la botte secrète. Il vient pas du Japon, ton t-shirt ? Mettre un t-shirt pas de sport pour faire genre que je suis pas bon. Alors qu'il a le bandeau. Vous avez à quoi d'avoir le bandeau et le bracelet? Alors ça c'est pour le nez. Ah, okay. Je sais pas du tout. Ça c'est pour éviter les gouttes de transpi. Et ça, ça doit être pour moi je pense que c'est soit l'un soit l'autre. Non, normalement c'est pour le style. Zéro van. Ils ont donné ça. Je sais pas si on doit le rendre ou pas, mais je vais pas demander parce que je pars avec. T'as du boyau? Ah mais oui, il a du boyau. Il a du boyau, ouais. Oh. Mais comment tu veux avec ça? Arrête. Du coup, t'es arrête de... ça, ça c'est du boyau de Picard. C'est une tentative d'intimidation de mon équipe. Te laisse pas intimider, c'est parfait. Le boyau c'est nickel. Regarde, moi je prends une raquette dans chaque main pour montrer à quel point je suis fort déjà. On va faire un truc quand on va dans le combat là. Nous on est là juste pour faire les pizzas de dos. Le soleil ça... je me chie dessus. Ils sont très très mal faits, Yvette. Ouais. C'est gentil. Après Steph, tu crois les petits conseils? Je pense que jamais vraiment prêt. Ouais, je vais demander des petits conseils à Joe. Ouais, les petits conseils de Joe. Ça fait un peu sucer. Ouais. J'ai suivi la... Je suivais un final de Bercy sur Flash Score là. Et il est dans notre équipe Trivia. Putain, let's go. C'est free win en fait. Ça passe à d'ailleurs, moi je dois me mettre en noir. Est-ce que vous êtes tous en noir? Non, je crois pas. Moi c'est la tenue des losers quoi. Ah ouais. Elle est belle ta raquette. Putain, le style est de fou. Il a joué ce matin à 6h pendant 2h. C'est sûr. C'est sûr, il a tryhard ce matin. J'ai joué 45 minutes ce matin. C'est vrai? Ah ouais. Ok, je mets mon veto. Vous savez qu'il y avait quelque chose qui nous cachait là, il était tendu depuis tout à l'heure. J'ai les deux primes. Parce que quand je joue, mon cordage, il est souvent comme ça. Ça, c'est très grave. Ah ouais? Parce que je suis meilleur avec le cordage comme ça. Non, il est dans notre équipe, non, c'est pas grave. C'est quoi ce cordage de contrebande? Le gars m'a dit promo de fou, t'inquiète. Il vient spécial de chez moi celui-là et tout. Mais la vraie question, c'est quand les cordes se décalent un petit peu. C'est grave ou pas du tout? Ça change rien. C'est juste que. On a Joe qui est en train de préparer la raquette de Steph. Ça, c'est une équipe ou pas? Imperdable. Votre équipe est vraiment trop stylée. Moi, je suis le winner de l'équipe, je sais pas si t'es au courant. Franchement, votre équipe elle pèse. Ah, ils m'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit lui c'est le winner. C'est la flèche de l'équipe. Je pense qu'il est tellement vieux en fait qu'il a. C'est les cordes elles sont incrustées donc elles bougent plus. Ah, c'est la raquette de ton daron, ça, de père en fils la raquette. Non, même pas, j'ai changé le cordage il y a. Non, j'ai pas envie de dire une dinguerie, mais je crois que j'ai changé il y a. Tu l'as changé 7 mois, hier 6 mois je pense hier. Ça ouais. Change tous les combien de temps les cordages? Bah, ça dépend combien de temps tu joues en fait. Bah, 1h30 par semaine, je pense. Ah, ouais, quand même. Là, le cordage est magique. C'est Joe l'a touché, c'est fini les gars. Service 170 minimum. Tu sais que nous, moi je cassais tous les 20 minutes et à l'entraînement tous les quarts d'heure. Je tape peut-être pas assez fort. Ouais. Bah, les gars, je en même temps, quand on fait de la gamme comme ça, ou ça bah, la corde elle chauffe. Toutes les 15 minutes, il pète son cordage à l'entraînement. Ah, vous cordez comment? Non, mais moi, quand je jouais, j'avais un cordeur qui me suivait partout où j'allais. Et tous les soirs, j'arrivais et je lui donnais 15 raquettes. Ah ouais? 15 raquettes. Moi, je bois les paroles de Joe. Ta raquette, elle est comme neuve, j'ai l'impression. Le grip déjà et le rodage a été fait. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Le rodage, il est noir. Les gars, j'ai pas gagné depuis 8 mois. Vous vous attendiez à quoi? Que j'arrive avec du matos neuf? Ah, parce que je fais un revers à une main aussi. Ah ouais? Vas-y, maintenant, un petit geste là, revers à une main. Petit TikTok pour la chaîne de PA. Oh, pardon. Je me chie dessus, arrête de venir me demander, je me chie dessus. Je me chie dessus pour toi, moi. J'ai cassé le mur. Moi, je sais pas le palmarès de Stéphane à Roland, il en. Oh, t'arrives à faire, j'ai vu un TikTok où le mec se prend le truc comme ça là. Ah, il fait tourner à la fin. C'est Alcaraz que t'as vu. Non, il fait ça. Ah ouais, comme ça. J'ai peur de la balancer dans quelqu'un. Ouais, très stylé. Ok. Là, c'est propre. Surtout quand tu commences un peu à. Refais, c'est 4. Ah ouais, sans regarder comme ça. Ah ouais. Joe, je sais que t'es impressionné là. Regarde, il analyse là. Analyser, de voir. À part ça, vous jouez tous au tennis régulièrement dans l'année, une fois par mois? Il a dit à part ça en parlant de moi. On parle de Pitre. À part vos trucs de merde là que vous avez fait là. C'est bon. Regardez-moi vite fait. Ça va? Salut, ça va? Ça va, frérot? Ça va. Allez, toi, tu te pètes la clavicule une semaine avant. Ah, moi, je fais partie de la spéciale. L'erreur fatale. C'est mon prime. Vous êtes prêts? Vous avez été briefé sur tout et tout? Sur comment ça se passe? J'ai une question parce que tout à l'heure, il a mis le bracelet et il a mis en même temps le serre-tête. C'est bien ou c'est overkill un peu? Il vaut mieux faire l'un ou l'autre? Bah, en fait, le bracelet, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas pour s'essuyer le front. Ah, bah merci. Voilà, déjà. C'est pour pas que l'eau, en fait, quand on transpire, là, l'eau du t-shirt ou enfin la transpi, elle coule sur les mains parce qu'après ça glisse sur les. Mais quand t'as les mains. Oh là là. A chaque fois, moi quand je vois la télé, les gens ils sont là. Ah, je suis là avec une. Donc il vaut mieux avoir deux bracelets. La réalité, c'est qu'en fait, ils mettaient les poignets pour faire le front et pour faire ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de mecs qui ont le truc là parce qu'en fait, à force de faire ça, ça te frotte. Quand tu joues un match, ça va. Quand t'en joues 3, 4 de suite, après tu t'arraches toute la peau. Bravo. Grosse valise comme ça. Ok, petit pas de danse. Après, tu fais le bandeau, le serre-poignet, tu regardes son adversaire, on va rebondir.
la balle. Bien. Moi j'aime bien que la dernière balle je la tape avec la raquette, c'est bien ou pas? Ouais, ok, parfait. Mais regarde bien ta zone où tu veux jouer. 2, 3. C'est bon, t'as créé ton toque, c'est bon? J'ai mon toque, ça s'appelle le Marion dans le milieu. Ok. Mais c'est exclusif à Marion et moi, tu vois, vous pouvez pas le piquer. Petit pas de danse, hop hop. Ah oui, je nettoie la ligne. J'ai vu Joko faire ça cette semaine. Je stresse déjà. Et après ça y va, la tambour. C'est parti dans le filet, ton service, j'ai vu la Marion. C'était un peu trop bas. Ouais, je sais, le plan frappe était trop bas. Je suis là pour faire des vannes, les gars, je suis pas là pour jouer. Film, parce que je crois que Marion se dope comme ça. Si on perd, regarde. C'est forcément ma gourde parce qu'il y a du rouge à lèvres sur le goût. Excuse-moi, il y a Marion qui est en train de se doper. Si tu peux faire venir quelqu'un passer un petit test à Marion, parce que je sais pas ce qu'elle boit, mais. On est pas sûr, on est pas sûr. Ah ouais, là, c'est la potion magique. Fais le croquer. Sache qu'il y aura réclamation à la fin du match. Ceux qui se dopent à genoux, les autres qui restent debout. T'inquiète. Il propose tout un paquet. Il est chaud. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à Roland-Garros en direct du cours Simone Mathieu. J'espère que vous allez bien. Jour de finale de Roland-Garros, on s'est dit qu'on allait proposer un contenu de type qualitatif ici. On attendait de savoir, elle en parle beaucoup, je crois que récemment elle a repris le tennis, j'étais très curieux, j'avais envie d'être face à elle, mais malheureusement on pourra juste regarder, c'est mon adversaire du jour, c'est Little Big Whale, aka Trivia qui est là. Il y a du monde. Pardon. Je m'applique. Pardon. Dommage. C'est passé si vite. Je t'ai bien battu. Bravo. Non. Tu t'es bien battu. Je te jure que j'étais trop stressée. C'était horrible. Bah oui, normal. J'avais la main qui tremblait quand je lançais ma balle. C'était horrible. T'as joué sur le terrain de Roland. Oui, c'est vrai. Attends, c'est un truc de fou. Non, j'avais ma main qui tremblait. Je sais, mais c'est le stress. Je vais faire pareil. C'était horrible. Il te va super bien ce t-shirt, très bien. Il est cool, hein. Ça fait quoi de se faire équiper de micro au lieu d'en équiper? C'est fou, mais c'est moi qui équipe les micros d'habitude. En vrai, respire de fou. Moi, j'avais les mains qui tremblaient. C'était horrible. Même Joe, il m'a dit qu'il a stressé. J'étais comme ça et j'avais les sourires crispés tellement j'étais stressée. Il faut arriver à libérer ses couilles, c'est horrible. Sois détendu, ouais. C'est pas le match de ta vie. C'est le match de ta vie. Si Steph en commence. Pour le coup, oui. Steph, si tu gagnes, tu choisis mon oreille, mon pote. C'est l'oreille que tu veux. Carla, la nouvelle. Bon, Rémi a gagné, les gars. Oh, il est chaud, il a un niveau. Ça va être à Steph. Je dirais Corentin avant une LAN. Alors Corentin avant une LAN, c'est pas ça. Ouais, j'espère que vous passez un bon moment, c'est très sympa. Voilà, on assiste à du niveau qui est surprenant et peut-être que le match d'après, il va vous surprendre. On va pouvoir les accueillir avec en premier Steph Capella, s'il vous plaît. Celui qui représente mon équipe, qui était hyper content de venir avec son pote Emily, c'est Hugo Délire. Je partage, hein. Des gens qui sont fans, d'autres qui sont pour Steph. Il y a la G-Corp, quoi, j'ai compris. Mais bon, il y a la Cacabox, on est trois là-bas, donc c'est très bien. C'est gentil. Oh ouais. C'est pas grave, Hugo, c'est pas grave dans ton match. 1-0-7. Quel crack. Oh là là. Bien joué. Voilà. Il est important ce point quand même. Faut recoller. Allez, ça dégage. 2-1, Steph Capella. Si tu perds, c'est peinture, mon gars. On l'a amorti. Est-ce qu'il peut partir? Oh oui, contre-amorti. Voilà. Steph Capella est partout. Allez, Steph. Nous, c'est le PMU, alors peut-être, là. Steph. Oui. Aïe, aïe, aïe. La victoire est la fin de toute une histoire. Quel crack. Let's go, la première victoire. Là, c'est victoire. La fin du thread, potentiellement. Il a gagné, les gars, du coup, je vais rejoindre les autres. Mais les gars, il a gagné. Yo, tu refais.
Let's go! Deux matchs de victoire de Steph, ça serait quelque chose. Vas-y. Allez, go. Oh, ça... Victoire. C'était un super match. Bravo Stéphane. J'espère que vous avez aimé le tennis. Du coup, il y a un petit peu pour faire un match à Marseille. Et il va le plier en quatre. Et la doublette, elle est gagnée aussi. J'ai plus de voix. Il est meilleur que le jeu au final. C'est vrai. Ouais. Et pour Domingo, franchement, t'as fait le jeu. Vous allez remettre ça sur en vrai live. On va en faire. C'est bon ça. Oh, les Ultra Steph. Ouais, c'est fini. La loser queue, elle est finie. Voilà, c'est win. Deux win de suite. Ça, ah, go. La loser queue, elle est finie. C'est bon. Vas-y, vite les figures. Ouais, la FAMAC. Merci beaucoup la FAMAC. Chope des balles. C'est oui. C'est Win. Il doit se faire une boucle d'oreille. C'est lui, c'est le champion. Ah ouais. Non, c'est la team Trivia. Il n'y a pas de champion ici. C'est le champion. Non, c'est vous deux. J'ai gagné un double avec Steph. J'ai pas gagné mon double avec Joe. C'est pas grave. Joe, on va parler. Toi, moi, je suis un ouf. Je me prends pour qui vous parlez comme ça, Joe. Non, mais c'est le cordage. C'est le cordage. C'est Joe. Il a mis bien mon cordage. C'était ça. C'est vrai. Il l'a remis tout droit et tout. Merci à tous d'avoir suivi l'aventure. Je suis invaincu à Roland. Non, je suis invaincu à Roland. Maintenant, mon nouveau titre, c'est invaincu à Roland. Si Roland me réinvite l'année prochaine pour refaire une team Trivia, on vient avec plaisir. Non, la prochaine fois, ce sera la team Steph. Non, c'est la team. Il aura accumulé beaucoup trop de level. C'est la team Trivia. Tu avais ton fan club là, c'était incroyable. Ouais, c'est la G-Corp et 3-4 de mes potes des Ultras. Mais moi aussi, hein. Ouais, mais incroyable. Incroyable. C'est le meilleur t-shirt de l'événement, ça m'a donné de la force. T'as gagné le double, tu l'avais pas avec Joe ? Ben voilà. Never give up. Il faudrait qu'on le mette à jour ce t-shirt, mais bon, après, moi je veux pas. On va mettre la victoire dessus. On va mettre la victoire à la fin. Bon, GG. Merci à tous d'avoir suivi la team. Merci à Alex qui m'a accompagné toute la journée. Merci à la team Trivia et gros merci à Domingo pour l'invitation. C'était incroyable la team. Bisous, on se revoit l'année prochaine. Je suis ATP 250. Un jeu. Putain, vous avez kiffé les gars, c'est fini. Let's go! C'est fini ça! J'avais oublié que c'était une vidéo, j'avais même fait la pause. Merci tout le monde, on se revoit très vite samedi prochain, ciao! Ciao, ciao! Il a tenu combien de temps avant de parler? 5 minutes 17. On est comment la team là? On stresse? Donc, vous allez respirer profondément. C'est good. Tu vas en tenue? J'ai été épouvantail dans ma vie. Hop là! T'as gagné. Personne ne veut connaître le tournage G-Corp de fin du mois, c'est ça? On va être plus intelligent que tout le reste de la G-Corp. Comme tous les tocards qui sont là-bas.